Oui, yo les refs, yo tout mon équipe, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation de tous mes maillots de football, les gars, que j'ai acheté, les gars, voilà, sur internet, les gars. Bien sûr, avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça ferait très plaisir, les gars. Mais aussi, les gars, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée, les gars, par MaxiKit, les gars. Du coup, c'est un site qui permet d'acheter, les gars, des maillots de Formule 1, les gars, de football, de basket. Et bien sûr, de football américain aussi, les gars. Du coup, de baseball, etc., les gars. Du coup, ça fait très plaisir, les gars. Et vous pouvez acheter tout ça à 25 euros, les gars. Mais oui, même à 20 euros grâce à mon code promo au nom de Silverstein, les gars, qui m'a économisé moins 24 pour moins 15% plutôt. Voilà, du coup, sur le site, les gars, ça fait très plaisir. Et oui les gars, j'ai fait une commande, j'en ai pour 180 euros, mais grâce à mon code promo, j'en ai pour 160 euros les gars. C'est dingue, j'en ai moins 15% les gars sur le site les gars. Du coup, ça fait très très plaisir les gars d'avoir cette sponsorisation les gars. Il faut juste taper Silverstein les gars, S-I-L-V-E-R-S-I-D-E les gars, en minuscule les gars. Et voilà quoi. Mais 20 euros un maillot grâce à une réduction, déjà que les maillots sont pas chers les gars, et vous avez 20 euros les gars. Et c'est pareil aussi les gars pour tout simplement que ça soit aussi vos maillots de basket, etc. C'est des prix vraiment pas chers les gars. Alors achetez vos maillots de basket, de foot, ce que vous voulez, mais vraiment pas cher les gars. Allez, allez, foncez sur le site. Allez hop, c'est parti. Bonne vidéo. Du coup, pour le premier maillot les gars, j'ai pris l'un des maillots les gars de mon équipe préférée hors France les gars, du coup hors équipe de France, hors une équipe française les gars, et ma deuxième équipe que je supporte les gars, voilà, qui est l'un du coup l'un des maillots les gars, pour ceux qui connaissent les gars, l'un des maillots du Barça les gars. Alors, il fait très plaisir les gars, il fait très plaisir, voilà, petit logo du Barça, petit logo Spotify, petit logo Nike, voilà, les petites bandes bleues, rouges, noires, voilà, très plaisir les gars, ça fait vraiment très plaisir les gars, avec du coup derrière les gars, des petites bandes de voilà, etc. Jaune, rouge. Faut que le même type de bande, les gars. Il existe aussi, les gars, avec du coup la chanteuse, la collab avec la chanteuse Rosalia, du coup, chanteuse catalonaise. Et aussi en manche, donc il existe. Et du coup, si on a derrière, mince, on a derrière le sponsor, les gars, enfin l'un des sponsors. Du coup, voilà, c'est plutôt stylé, les gars. Voilà, du coup, petit maillot vraiment très stylé, les gars, que je kiffe. Ce maillot est vraiment très stylé, les gars. En tant que supporter du Barça, les gars, je trouve qu'ils font des très très bons maillots. Mais non pas en tant que supporter du Barça, mais en tant que supporter, voilà, fan de foot. Je crois qu'ils font des maillots de baiser. Du coup, ce maillot, il passe de baiser, les gars. Voilà, on passe au prochain maillot. Enfin, on va pas passer au prochain, on passe au bas qui va avec, les gars. C'est parti. Prochainement, je ferai une vidéo où j'achète, je vous montrerai mes commandes que j'ai fait sur MaxiKit, les gars. Et oui, les gars, ça ferait très plaisir de vous montrer ça, les gars. Là, j'ai pas encore acheté mon MaxiKit, ça fait peu de temps que je finis le site, ça fait genre 5 mois que je connais, bon ça va quand même, mais bon, voilà. Avant, j'achetais pas mes maillots sur MaxiKit, les gars, j'étais sur un autre site équivalent avec des maillots moins chers, pas non, pas moins cher, un peu plus cher, mais pas très cher, tu vois, 30 balles, c'est pas trop cher. Et du coup, on passe au suivant, les gars. Du coup, bah, le suivant, les gars, c'est un pas du Barça, du coup, bleu, les gars, avec une petite touche de rouge sur les côtés, les gars, et le petit logo Nike ici, attendez, ici. Et le petit logo du Barça juste là les gars, qui fait très plaisir ce bas là les gars, voilà, qui est très très bien pour aller faire du foot les gars, voilà, surtout moi quand je suis un peu gardien les gars, mais je reste aussi un petit peu défenseur les gars. Et du coup ça beaucoup stylé, assez stylé plutôt, beaucoup stylé, ça veut rien dire. Et du coup bien sûr les gars, on a ceci, voilà, hop, parfait, maillot très très joli, voilà, enfin plutôt bas de maillot les gars, très stylé, petit shirt de foot qui passe et qui fait largement le taf les gars. Moi j'aime bien, plutôt stylé, voilà, classique, simple, mais qui représente le Barça. On passe aussi avec le prochain, les gars, une chaussette du Barça. J'ai la flemme de prendre l'autre, les gars, mais du coup, avec marqué Visca, non, avec marqué Calvert, les gars. Mais du coup, l'autre, marqué Visca Barça, etc., les gars. Et du coup, elle fait très plaisir, voilà, bon, c'est la couleur du Barça, deux petites blondes, pour commencer un petit peu le petit bleu clair, un peu plus clair, foncé et rouge. Et du coup, voilà, petit arrière comme ça. Chez deux foot qui font le taf et qui sont plutôt stylés les gars. On est passé pour le prochain maillot les gars. Et oui, ça fait très plaisir ce maillot, cet ensemble plutôt du Barça les gars. Il est très stylé je trouve. Bon allez, on passe au prochain. Du coup on passe au prochain maillot les gars. Hop.
Eh les gars, je vous en ai trop montré les gars sur ce prochain maillot. Bien sûr aussi le reste les gars. Du coup pour ce prochain maillot les gars, du coup c'est pas vraiment un maillot mais c'est un petit haut les gars, voilà, de sport. Et du coup du Barça les gars, en tant que fan du Barça, je me devais d'en avoir un. Voilà, petit logo du Barça, petit logo Nike. Ce bleu là est magnifique. Oh, je voulais acheter en gris les gars. Que mon demi-frère a le Footix qui ne connaît rien au foot, il l'a acheté juste pour le flou. J'allais pas acheter que lui, c'est trop bizarre. Lorsque je le voulais trop, j'ai trop le seum, mais bon, bref, c'est pas grave, voilà quoi. Bref, on va mettre la manche, les gars, mais ce maillot est plutôt stylé de baiser, les gars. Moi, je kiffe, les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin, ce petit haut de sport, pas ce maillot, mais il est vraiment plutôt cool, hein. Il est vraiment stylé de fou. Hein. Voilà, on sort les manches, les gars, et du coup, voici à quoi il ressemble. Deux hauts, les gars, voilà, il est plutôt stylé. Hop, il est grand de fou. Hein. Il est grand, mais heureusement, il me va bien. Heureusement, il m'a bien ramené, les gars. Ça me va plutôt bien. Voilà. Du coup, ça fait plaisir, tout ça, voilà. Et on passe à l'arrière, regardez. Avec... Mais avant, regardez ces petites manches, les gars. Qualitatives. Petite forme qui rajoute un petit style, tu vois. Mais avec, bien sûr, le petit trou exprès pour mettre le pouce. Du coup, voilà. Ça fait plus plaisir. Du coup, on a... Il gère vraiment les meilleurs du Barça, hein. Vraiment. C'est un maillot du Barça, on gère. Voilà, petit derrière les gars, plutôt stylé. Je kiffe, hein. Je kiffe de baiser, ouais. Petit derrière simple, mais stylé. J'aime bien cet effet bleu foncé, un peu clair comme ça. Et avec une petite touche de ce bleu là les gars. Voilà, du coup ça passe vraiment. Il est plutôt stylé les gars. Je kiffe, allez hop, on passe au prochain. On passe à mon premier et dernier faux maillot les gars. En décembre, faut savoir que je suis allé au Maroc et vous savez, c'est un peu comme en Turquie, Algérie, tout ça. Il y a pas mal de souks ou de magasins où on y vend des faux objets et du coup des faux maillots, etc. Les gars, du coup, voici l'un des faux maillots, les gars, que j'ai acheté. Est-ce que vous avez deviné? Ah, vous avez vu le logo, les gars, vous avez vu le logo, je vous montre, les gars, c'est le maillot de la France, des bleus, les gars. Et du coup, c'est un faux maillot, les gars. Bah, déjà, regardez, déjà, ça inspire pas confiance. Hein. Je sais pas si vous pouvez le voir ici, les gars, mais il y a marqué quoi? Il y a marqué, ah, si vous voyez. Made in Maroc les gars, made in Maroc, c'était carrément Maroc les gars, ça. Ouais, je l'ai acheté à Marrakech les gars. Bon déjà, il est normalement censé avoir une petite bande de blanc rouge ici, tu vois. Et il manque des choses, du coup on peut... ce logo là en bas, il est plus bas. Il est beaucoup plus bas, genre il est... attendez. Il est genre là, où je mets mon doigt. Il est un peu trop haut. Mais sinon, voilà, je vois pas trop d'erreurs. Mais en vrai, il est plutôt bien fait, je m'attendais à pire. Il y avait des maillots les gars, genre c'était des patchs. Non, mais Lyon, c'est un patch directement incrusté. C'est pas les patchs que tu rajoutes directement incrustés. Il y avait une claquette Saint-Etienne avec une étoile. Parce que Saint-Etienne n'ont pas d'étoile. Enfin, ils peuvent en mettre une, mais ils n'ont pas mise. Alors, eux, ils ont mis l'étoile sur la claquette. Bon, ok, il y a pire. Mais des maillots, wow, c'est dégueulasse, sa mère. Je voulais trop acheter un maillot d'Hakimi, les gars. Hakimi, les gars. Mais bon, vas-y, je l'ai pas acheté. Du coup, petit maillot qui fait largement le taf, les gars. C'est un petit faux maillot, je ne le mets pas souvent parce que c'est un faux maillot et j'ai pas que ça à mettre de maillot, les gars. Et quand souvent, quand je mets des maillots, c'est des vrais maillots. Mais je le mets de temps en temps quand j'ai rien à mettre, mais bon, souvent j'ai des choses à mettre. Du coup, ça fait plaisir. Petit logo d'équipe de France, petit voilà, etc., les gars. Et si t'arrives jusqu'à là, les gars, petit spoiler, il y aura un autre maillot des bleus, les gars. Et oui, parce que j'allais pas acheter 15 faux maillots, les gars, des bleus, voilà, etc. Du coup, le maillot qui fait très le taf, les gars. Petit derrière du maillot, les gars, plutôt stylé. Voilà, qui va à ma taille, les gars. On a aussi un truc que j'aime pas trop, ça, sur les maillots. J'ai horreur de ça. Mais bon, en vrai, quand tu portes, c'est bon, tu sens pas compte. C'est les boutons. Les boutons sur les t-shirts, les maillots, tout ça. Qui fait ça? Mettez rien, les gars. Comme ce maillot de la Pologne, tu vois, c'est carré. Mais sinon, le maillot est plutôt simple. Voilà, avec du bleu foncé, je suis pas trop fan. Mais il y a un petit doré, tu vois, ça rapporte quelque chose d'assez stylé sur le maillot. Du coup, je kiffe un peu le maillot. Même si c'est pas trop mon truc, je préfère le maillot des bleus en blanc, les gars, de la Coupe du Monde. Il est trop beau, ça. Il est grave stylé. Il représente la France, notamment avec le coq et tout un tas d'emblèmes de la France représentés dessus en gris clair, gris blanc, voilà, etc. Ça fait très stylé. Bon, allez hop, on passe au prochain maillot, les gars. C'est parti, let's go. Du coup, on passe au dernier maillot, les gars, de cette partie, les gars. Je ferai une partie 2 avec d'autres maillots, les gars. La partie 2 sera beaucoup plus courte car il me manque pas que deux. 2-3 maillots, voilà, etc. que j'ai pas montré. J'en ai montré beaucoup, les gars. Mais du coup, voilà, 2-3 maillots et un et des shorts, les gars, et c'est tout. Du coup, pour ce maillot, les gars, on passe encore sur un maillot. Je vous avais dit quoi au début? J'avais dit que c'était pas mon seul maillot, les gars.
du Barça, je crois que j'avais dit ça les gars, et oui du coup j'ai un autre maillot du Barça les gars, le voici les gars, attendez on va se mettre à l'endroit les gars, que vous puissiez le voir les gars, petit maillot du Barça les gars en or, il est grave stylé les gars, il y a surtout quelque chose qui fait qu'il rend grave stylé les gars, c'est ses manches, tu mets ses manches avec un doré, tu vois ça rajoute, parce que doré tout seul c'est pas fou, et là t'as un petit maillot de couleur qui est trop stylé les gars, avec bien sûr le logo du Barça en doré, petit logo Nike en noir, le sponsor Spotify. Et j'ai un pote, il avait pas capté, il a vu mon maillot, il a dit ah merde, ah, ils sont sponsors par Spotify ma gueule. Il comprenait pas là. Parce que lui il est supporter du Real, il utilise Spotify. Quand tu utilises Spotify, que t'es supporter du Real et que c'est sponsorisé par le Barça, enfin, ça existe depuis 2020-2021 que c'est sponsorisé, c'est pas ça longtemps, sponsorisé par le Spotify. Petit logo Spotify, voilà, bon c'est genre, c'est pas comme le logo Nike, tu vois, c'est pas brodé, c'est une espèce de sticker collé un peu, mais genre que grand bien collé. Très peu détachable, je sais pas si vous voyez bien un peu, ça se voit un peu, tu vois. Comparé par exemple, au logo Nike, tu vois, il y a une différence. Voilà, c'est pareil pour l'autre maillot du coup du Barça. Voilà, plutôt stylé, les gars. Du coup, en gros, c'est on retrouve la même arrière que l'autre maillot, mais avec des couleurs différentes. Du coup, il n'y a pas les bandes, c'est doré, voilà. Petit décret, le petit jaune rouge, voilà, etc. On tape la Catalogne. Et du coup, le sponsor qui est derrière, les gars, qui fait très plaisir. Mais moi, ce que je kiffe dans ce maillot, les gars. C'est ces bandes, les gars. Ces bandes avec ce doré, c'est trop trop beau. Évidemment, c'est trop beau. Je mets régulièrement ce maillot, il fait très plaisir. Du coup, on passe au dernier objet, les gars. C'est des chaussettes, les gars, du Barça. Voilà, là, j'ai les deux cette fois-ci. L'autre, je sais pas où je l'ai mis. L'autre chaussette bleue, je l'avais trouvé pas, les gars. En dessous, ouais, c'était séparé. Mais du coup, là, voici la chaussette du Barça. Elle est trop trop belle. Vous voyez, doré, les gars, avec ça, les gars. Et du coup, les écritures, les gars. Voilà, etc. Petite écriture, les gars, que je vais vous montrer. J'arrive à vous la montrer. La marque est... Voilà, etc. Qui fait très plaisir cette chaussette, les gars. Elle est vraiment plutôt grave stylée, cette chaussette, les gars. Je la kiffe à mort. Regardez-moi cette chaussette magnifique. Ces petites bandes avec le doré, ça va grave bien ensemble, les gars. Je la trouve vraiment trop trop belle, l'équipe. Magnifique cette chaussette. Et ouais, les gars, n'hésitez pas à vous abonner aux 100 abonnés, les gars. Il me manque environ 50, les gars. Je fais un concours pour gagner une carte cadeau Apple Store ou Play Store, les gars. Voilà, du montant de 15 euros, les gars. Ça fait plutôt plaisir, les gars. Et n'hésitez pas à aller code SILVERSIDE, SILVERSIDE en minuscule, les gars, pour avoir moins 15% sur la boutique, les gars. Mais d'économiser à arriver à un maillot à 20 euros environ. Enfin, 19 euros, voilà, etc. Ça fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ça fait très plaisir. Ciao, à très vite pour une toute nouvelle vidéo, les gars, sur une partie 2 de cette vidéo qui arrivera très prochainement. Ou une autre vidéo de quelque chose du gaming ou autre, les gars. Allez, ciao, l'équipe. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.